vinaigre de cidre, de nouveaux bienfaits découverts. Nous devons le consommer avec modération, car un excès de vinaigre dans notre alimentation peut occasionner des lésions au niveau de la muqueuse gastrique, et abîmer l'émail des dents. Pour maigrir, calmer les maux de gorge et même contrôler les niveaux de sucre et de graisse dans le sang, le vinaigre de cidre est surprenant et présente de multiples bienfaits pour la santé. De nouvelles études scientifiques ont d'ailleurs permis de découvrir d'autres de ses vertus. Nous vous présentons donc dans cet article les meilleures manières de l'utiliser de manière naturelle. Pour contrôler les niveaux de sucre et d'insuline dans le sang. Voilà une bonne nouvelle pour les diabétiques. D'après une étude publiée dans la revue spécialisée Diabetes, le vinaigre de cidre peut réduire le niveau de sucre dans le sang après les repas. Une autre étude a permis de démontrer que boire un verre d'eau avec du vinaigre de cidre avant d'aller dormir aide à réguler le niveau de sucre pendant la nuit. Dans une autre étude également publiée dans la revue spécialisée Diabetes, un groupe de personnes présentant une résistance à l'insuline a bu un mélange d'eau et de vinaigre juste avant un repas. Résultat, les patients qui avaient bu ce mélange avant de manger présentaient des niveaux plus bas d'insuline et une sensibilité beaucoup plus accrue à cette hormone, en comparaison avec le groupe témoin. En d'autres termes, boire un mélange d'eau et de vinaigre de cidre avant les repas et avant d'aller dormir peut aider les patients souffrant de diabète de type 1 ou présentant une résistance à l'insuline, prédiabétique, à améliorer leur niveau de sucre et d'insuline dans le sang. Pour réduire le cholestérol. D'après une étude publiée dans le British Journal of Nutrition, le niveau de graisse dans le sang avait considérablement diminué chez les souris qui avaient été alimentées avec de l'acide acétique, une substance présente dans le vinaigre de cidre, pendant 20 jours. Il est donc probable que le vinaigre de cidre puisse également avoir cet effet sur le niveau de cholestérol et de triglycérides des humains. Du vinaigre de cidre pour maigrir. Les résultats d'une étude publiée dans une importante revue scientifique européenne montrent que manger un peu de pain imbibé de vinaigre de cidre avant chaque repas aide à augmenter la sensation de satiété, et donc permet de manger moins. De cette façon, cette habitude permettrait de perdre du poids à long terme. Il est probable que ce morceau de pain imbibé de vinaigre de cidre ne soit pas très agréable au palais pour beaucoup d'entre nous. Mais on peut également le remplacer par un verre d'eau avec un peu de vinaigre avant chaque repas, afin de manger moins et d'ingérer beaucoup moins de calories. Pour soulager les maux de gorge. Faire des gargarismes avec une solution diluée à base d'eau et de vinaigre de cidre aide à soulager les maux de gorge grâce à l'effet antiseptique et analgésique du vinaigre. Il faut bien se brosser les dents après chaque séance de gargarisme, car l'acide présent dans le vinaigre de cidre pourrait abîmer l'émail des dents. Ainsi, boire 3 verres d'eau avec une cuillère à café de vinaigre de pomme par jour apporte de multiples bienfaits à notre organisme. Mais il faut tout de même rester vigilant, car un excès de vinaigre de cidre pourrait endommager la muqueuse gastrique et l'émail de nos dents. N'oubliez pas non plus de consulter votre médecin traitant en cas de doute sur ce traitement.